Au moins 89 personnes ont trouvé la mort dans les inondations survenues samedi et dimanche dernier dans la province indonésienne de Papouasie, selon un nouveau bilan communiqué par l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes. 64 personnes sont encore portées disparues, tandis que les services de secours ont évacué 6800 habitants dans des refuges temporaires. Les conditions météorologiques difficiles conjuguées aux débris accumulés sur le terrain continuent d'entraver le déplacement des équipes de secours qui mènent une course contre la montre à la recherche de survivants. L'état d'urgence a été décrété par les autorités locales pour 14 jours, compte tenu de la gravité de la situation.